Moi, j'ai construit ça comme l'idée d'un spectacle et pas comme un battle. C'est pour ça que c'est un hip-hop game concept, parce que je vois vraiment mon événement comme un vrai concept en, dans toute sa globalité. C'est pas juste un battle classique avec un concept à l'intérieur, un petit concept pour dire ah, il y a une variante dans, dans l'événement. Je pense que l'hip-hop game concept, c'est vraiment un concept en général, enfin global, quoi, qui mélange tout. Ça a été dur quand même, parce que c'est pas des épreuves que tu retrouves dans tous les concours, c'est un truc un peu à part et différent. Nous, ça nous a vraiment aidé de faire un stage avant, en fait, puisque sinon, si on arrivait là, on allait être perdu, je pense. Le fait qu'on l'ait fait l'année passée, ça nous a permis de comprendre déjà ouais, certaines erreurs qu'on a pu faire l'année passée. Et du coup, c'est vrai qu'on a eu pas mal de clés tout par rapport à ça pour pouvoir développer des exercices. C'est la troupe Hip Hop Games en collaboration avec les danseurs, en échange avec le public. Bruxelles, fuck you, Bruxelles! On nous a donné des trucs aussi, parce que l'impro, comme il dit Romuald, c'est pas vraiment de l'impro. On a des codes, et donc on nous a un peu appris tout ça, quoi. Ça commence par beaucoup d'écriture. Les écritures nous donnent des automatismes, les automatismes nous donnent des transitions, et ces transitions, on les stocke dans des endroits de notre cerveau qui soient pas très très loin. Et la magie, c'est quand on réussit à choper des choses qui sont très très loin, ou qu'on réussit à choper des choses qui sont sur le moment. C'est là que la magie opère et le public répond. Le cadre de cet événement-là, il est 300% hip-hop et pour la danse en plus. Je rappe comme si j'avais gagné au loto. Je rappe avec la cadeau. Ça se passe, mec, j'ai trop chaud. Je sais pas si ça va faire naître des événements, mais en tout cas, ça inspire. Les artistes qui viennent, que ce soit nous, ou les danseurs, ou le public, quand t'es artiste, t'arrives au Hip Hop Games, ça te donne des idées. Il se passe des trucs que t'as jamais vus, que nous-mêmes on n'a jamais vus, et ça donne des idées, et il y a des gens qui ont eu des créations qui sont nées de ça, des gens qui ont eu des idées qui sont nées de ça. Le hip-hop game, à chaque fois qu'on me dit c'est quoi, je l'explique, les gens ils me regardent comme ça, et je lui dis écoute c'est quoi, viens voir, et après on en parle. Thank you.